Les Viennais ont eu, ils étaient 6, et puis alors il y a eu un premier décès. Et il y avait une petite sœur qui s'appelait Marguerite, qu'on a appelée Gothon, qui est un personnage qui est très intéressant parce qu'elle a vécu pas mal après la mort du curé d'Ars, et elle a entre autres témoigné au procès de béatification. Donc on a beaucoup de témoignages de Gothon, et des témoignages très touchants parce que, bon, avec la distance, peut-être que ça a été un petit peu, j'en sais rien, moi, dans l'image, dans l'imagination d'une jeune fille. Mais c'est très plein d'authenticité dans ce qu'elle, quand elle raconte l'enfance de Jean-Marie, ou des petites scènes de l'enfance, des choses toutes simples. Vous voyez par exemple l'histoire de l'accueil des pauvres, on le sait en gros en grande partie par Gothon. Alors, les traditions d'accueil de la famille Vianney, il y a quelque chose d'un petit peu extraordinaire. Donc vous savez que son grand-père avait accueilli Benoît-Joseph Labre, qui allait devenir saint Benoît-Joseph Labre, ce mendiant, si on peut expliquer ainsi, ce mendiant de Dieu errant à travers l'Europe, pèlerinant à travers toute l'Europe, et qui était passé un jour dans la famille Vianney, donc chez le grand-père à Dardilly, et qui est arrivé à Rome, écrivant une lettre de remerciement à son grand-père. On raconte que des fois jusqu'à 10, 12, 13 personnes étaient accueillies chez la famille Vianney, et quand des gens, surtout dans une période troublée, il y a beaucoup de gens sur les routes qui errent, eh bien, quand ils demandaient du pain, ils demandaient un logement, on les envoyait toujours à Dardilly, aller voir chez les Vianney. Et chez les Vianney, ils étaient accueillis, ils mangeaient à la table familiale. Ils mangeaient à la table familiale. Monsieur Vianney recevait tous les gens qui passaient à sa table à lui. Et sa sœur raconte que quand il n'y avait pas assez de soupe, c'était le père qui donnait sa part. D'ailleurs, son père avait donné à chacun des enfants une charge pour accueillir ces gens. Et le petit Jean-Marie était entre autres chargé de secouer la paille parce qu'on les faisait dormir à la grange pour bien qu'elle soit plus agréable, entre guillemets, et qu'elle soit moins tassée. François, l'aîné, et Jean-Marie Vianney couchaient dans l'étable, ils avaient leur lit. Ils ne couchaient pas sur la paille, mais ils avaient leur lit. Monsieur Vianney était un paysan de son époque. Il avait quand même 12 hectares de terrain. Qui n'est, pour ainsi dire, pas tous cultivés. Enfin, il y avait quand même un peu de vignes. À Dardilly, il y avait beaucoup plus de vignes qu'aujourd'hui. Il y avait certainement des terres pour faire du blé, du seigle ou de l'orge, puisqu'il y a un four où la famille cuisait le pain pour eux et pour les amis. Alors, le petit Jean-Marie Vianney, comme ses frères et sœurs, n'allaient pas à l'école à cette époque-là. Dans les familles de paysans, les enfants allaient travailler dans les champs avec leurs parents aux saisons de printemps, l'été, l'automne. À l'hiver, il y avait une instituteur, une institutrice qui venait dans le village pour faire l'école et les enfants dont les parents voulaient une instruction, y allait. Mais le petit Jean-Marie Vianney a commencé à fréquenter l'école. Il avait 17 ans. Alors les enfants devaient s'amuser dans la cour. Le petit Jean-Marie qui allait garder ses moutons au vallon de Chantemerle, avec ses frères ou ses sœurs aussi, de temps en temps, récitait le chapelet, le petit Jean-Marie plaçait une statuette de la Vierge dans le creux d'un saule auprès du ruisseau des Planches. Le petit Jean-Marie Vianney, après les repas, il apprenait son catéchisme, ses prières, avec sa sœur Catherine, l'aînée des enfants, sa sœur Marguerite. Devant l'horloge, Madame Vianney, Marie Belluse, épouse de Vianney, invitait ses enfants à réciter un Je vous salue Marie chaque fois que l'horloge sonnait. La famille Vianney avait aussi l'habitude de se confier à la protection de la Vierge Marie, surtout donc dans des périodes un petit peu troubles. Vous voyez, ça met d'autant plus en valeur soit la protection, soit l'abandon que la famille Vianney faisait entre les mains, non seulement du Seigneur, mais entre les mains de la Vierge Marie, quoi. Et cet amour de la Vierge Marie qu'il aura très fort, hein, toute sa vie durant, et qu'il essaiera de communiquer à ses paroissiens, il en a certainement perçu quelque chose chez sa maman. Et pareil, comme un petit peu inconsciemment, un enfant
perçoit quelque chose de la Vierge Marie, qui est notre mère à tous, dans sa maman à lui. On raconte qu'à 3 ans et demi, on l'a retrouvé à l'étable entre... Il avait disparu de la maison, on ne savait pas du tout. On a été voir à la mare, s'il n'était pas tombé dans la mare, on était un peu inquiets. Sa maman le retrouve à genoux, entre deux vaches, et dans l'étable, avec une petite statue de la Vierge, et priant, 3 ans et demi. Et donc elle le gronde quelque part en lui disant... Et lui, il est un petit peu gêné parce que... Il est gêné parce qu'il pensait vraiment pas faire mal. Et, enfin, il y a quelque chose de touchant dans cette volonté, presque ce désir de ce petit enfant de quelque part de s'éloigner et de pouvoir plus prier, pour être en paix avec le Seigneur. Sa maman avait perçu très vite, et j'allais dire très tôt, comme me semble-t-il toute maman quelque part le pressent, ce à quoi le Seigneur appelait son petit enfant. Et elle avait senti que le Seigneur appelait son petit Jean-Marie, qui était, j'allais dire, comme tous les enfants de son âge, qui faisait les mêmes bêtises certainement, et qui avait une vie normale d'enfant de son âge, que le Seigneur l'appelait un don total. Et elle lui disait, si tes frères et sœurs faisaient des péchés, Jean-Marie, ça me ferait de la peine, mais surtout toi. Surtout toi. Pas parce qu'elle avait, c'était le petit, c'était même pas le petit dernier, mais parce qu'elle avait une tendresse particulière, mais parce que, me semble-t-il, elle avait perçu chez lui que le Seigneur l'appelait quelque chose de grand, quoi, et un don total, et que même sa maman avait essayé de protéger quelque part cette vocation et de la favoriser, de la faire grandir, quoi. Toute sa pastorale à Ars, quelques années plus tard, sera profondément marquée par l'attitude de sa maman, par l'attitude de son père, et d'ailleurs il cherchera à former des mamans, des mères, il insistera beaucoup sur la formation des mamans, des femmes à Ars, et puis sur le sens de l'accueil des pauvres, un sens très large. Vous savez que la révolution dans la région de Lyon a été un peu dure. Et il a été beaucoup marqué par le fait qu'il y a eu des prêtres réfractaires et des prêtres jureurs. Les prêtres jureurs, c'était ceux qui faisaient allégeance à la constitution civile du clergé. Et les prêtres réfractaires, et ceux qui voulaient rester fidèles à Rome. Et la famille Vianney a voulu rester fidèle à Rome et donc a suivi, entre guillemets, le clergé plus réfractaire. Un clergé qui était quelque part pourchassé, non seulement le clergé, mais aussi les gens qui les suivaient. Et donc, ils ont eu une période de leur vie où ils ont dû avoir une démarche religieuse un petit peu souterraine, un petit peu cachée. Alors, il a été amené à faire sa communion tard, comme il se confessera tard. Au pied de la pendule, dira-t-il, la pendule de Dardilly. Et on ne sait pas très bien ce qui s'est passé. Bon, on n'en sait rien, c'est son secret, entre le secret de l'abbé Grobeau, prêtre réfractaire, donc, qui était de passage à la maison, qui lui dira « Est-ce que tu veux te confesser ?» Jean-Marie dira « Je ne me suis jamais confessé. » Il a dû être profondément marqué, non seulement par cette première confession, peut-être par les paroles que ce prêtre qui vivait quelque chose de très dur, qui avait, de par sa situation, un côté, pas de héros, mais de héros de la foi dans le sens noble du terme. Hein. Si on devait marquer les influences de Jean-Marie dans son enfance, il y aurait le fait de sa maman, son papa, le contexte de la Révolution, et puis la personne de M. Ballet, qui a été un élément très important dans le mûrissement, le développement de l'âme sacerdotale de Jean-Marie Vianney. Donc comme ça se faisait beaucoup à l'époque, surtout en cette période, on envoyait les jeunes candidats chez vivre avec un prêtre pendant quelques années dans un presbytère, pour que le prêtre puisse discerner si c'était vraiment sa vocation. Puis ça permettait qu'en vivant avec lui, qu'il y ait des choses qui se transmettent, entre autres au niveau de la vie, plus que d'une somme de connaissances. Et le curé d'Ars a eu la chance de tomber sur cet homme, qui était certainement un homme un peu austère, certainement un peu dur parfois, mais un homme donné, qui avait une vérité, une authenticité dans ce qu'il essayait de vivre, et non seulement entre ce qu'il disait, ce qu'il essayait de vivre, et puis le contenu de sa foi. Alors il dira « Je suis prêt à me sacrifier pour lui ». Et il le dira très rapidement. Et il a dû... discerner, pareil, chez ce jeune Jean-Marie qui, extérieurement, parfois, n'avait pas grand-chose pour lui. C'est-à-dire qu'à 17 ans, il ne savait ni lire ni écrire. Pas parce qu'il était idiot, mais parce que, comme tous les enfants de son âge, il y avait la Révolution, il y avait les campagnes de l'Empereur, il n'avait pas eu le temps d'aller à l'école. Et il avait dû discerner aussi non seulement la vocation du Seigneur, et puis le désir de ce jeune garçon, malgré les difficultés de tous ordres, donc la Révolution, le manque de moyens de son père, la volonté de son père de le garder à la ferme comme main d'œuvre, beaucoup de choses, quoi, beaucoup de choses qui semblaient se placer sur sa route comme un peu comme des barrages, et la volonté farouche, mais pas volontariste de ce petit garçon, de répondre à l'appel du Seigneur. C'est lui qui lui a tout donné, qui lui a énormément, qui l'a formé dans le sens
fort du terme, quoi, qu'il l'a vraiment aidé, qu'il l'a soutenu, qu'il l'a porté à bout de bras, malgré les désespoirs, malgré le contexte, malgré toutes les difficultés, il l'a vraiment porté à bout de bras, quoi. Il a réussi à le faire entrer un an au séminaire de Verrières pour faire de la philosophie. C'était en 1812. Et le cardinal Fesch de Lyon avait décidé que ceux qui n'étaient pas tellement doués ne feraient qu'une année de philosophie et entreraient en théologie à la rentrée à la Toussaint 1813. La théologie se faisait en latin. Et notre Jean-Marie Vianney a paniqué. Il ne savait pas beaucoup de latin. Et c'est dans ce contexte qu'il est venu de son pays natal, d'Ardillé, jusqu'à la Louvée, à pied, en mendiant son pain, un vœu qu'il avait fait pour demander l'aide du ciel pour qu'il puisse continuer et aboutir à être prêtre. Je pense que le fait que le curé d'Ars, enfin le futur curé d'Ars, soit venu à la Louvée et fait 100 km à pied, en ayant d'ailleurs fait plus ou moins le vœu de jeûner sur la route, eh bien le signe que la Louvée était considérée vraiment comme un des hauts lieux spirituels de la région et l'attachement personnel de toute la population à Saint-François-Régis, Saint-Régis, comme disaient les gens, était immense. Et le fait que le curé d'Ars, le futur curé d'Ars, sachant que son entrée au séminaire était très problématique, c'est bien normal qu'il ait pensé à venir trouver saint François-Régis et qu'il ait obtenu de lui, non pas la grâce de parler latin, je pense qu'il en est toujours resté éloigné, mais au moins celle d'être accueilli au séminaire. Quand il est arrivé à la Louvée, il a demandé à un confesseur, on dit que c'était un jésuite, ça ne pourrait être qu'un ex-jésuite, la compagnie n'a été rétablie que l'année suivante, enfin peu importe, et il lui a demandé qu'on lui commue son vœu. Alors on lui a dit, eh bien au retour, au lieu de demander l'aumône, vous la ferez. Et plus tard, le Saint-Curie disait avec beaucoup de finesse, j'ai compris la parole de Jésus, c'est beaucoup plus agréable de donner que de recevoir. Alors il a bien prié, certainement, et quand il est rentré à la Toussaint 1813, il est donc entré au grand séminaire à Saint-Irénée, à Lyon, mais au bout de 6 semaines, il a été renvoyé. C'était le 9 décembre 1813. C'est là que la grâce du ciel est intervenue, il n'a pas perdu courage, et surtout, l'excellent monsieur Ballet l'a pris chez lui, nous ferons notre théologie en français, on se comprendra. Si vous voulez être prêtre, il a obtenu cette grâce finalement de pouvoir passer le cap des études et aboutir, parce qu'il a été ordonné en 1815, je crois, oui, donc 2 ans après. Il avait une grande confiance en Saint-Régis qui représentait pour lui une sorte d'idéal de sainteté et d'apostolat. Vous savez que Saint-Régis est considéré comme l'apôtre du Vivarais. Donc, c'est un homme qui s'est totalement dépensé pour faire renaître la foi dans cette région. Et après les guerres de religion qui venaient tout juste de s'achever, de rétablir une sorte de christianisme de base qui puisse même toucher les protestants. Alors, Saint-Jean-François Régis est un jésuite qui est né en 1597 dans l'Aude, dans le midi de la France, et qui est mort à la Louvée en 1640. Sa vie est extrêmement courte. Il n'a été prêtre que 9 ans. C'est extraordinaire. Saint Régis est un homme de prière, ça c'est incontestable. Il y a tel curé qui a dit, je l'ai vu prier, j'ai vu qu'il subissait l'extase. Enfin, c'était son expression. Et tout à fait un homme de très grande prière, d'adoration eucharistique, un homme... Il avait demandé à être prêtre, mais il avait une très grande piété eucharistique. Non seulement sa messe était remarquée des auditeurs, mais il passait un temps considérable d'adoration silencieuse devant le Saint-Sacrement. De son vivant, dans les régions du Vivarais et du Velay, il était très connu. Et les gens, et comme ça que le pèlerinage a commencé sur sa tombe. C'est un homme, visiblement, qui avait le goût de Dieu et qui savait le faire passer aux autres. Et de ce point de vue-là aussi, on retrouve des points communs avec le curé d'Ars.
cette parenté spirituelle qui, moi, me frappe, la prêtrise, l'Eucharistie et la messe, quoi. La prédication très simple, très... On allait écouter le curé d'Ars, même la cordère. Hein. Bon, et Saint-Régis faisait 3-4 000 personnes, c'est quand même quelque chose. Oui, qu'elle allait écouter, et tous remarquaient sa simplicité, et en même temps que l'Esprit de Dieu passait, quoi. Et puis alors, ce qui est moins visible dans Jean-Marie Vianney, parce que c'était sa paroisse, enfin, il avait quand même s'occupé des orphelines, quand même, il avait bien eu le souci des pauvres, ce qui a très marqué Saint-Régis, l'amour des pauvres. Et puis alors, le ministère sacerdotal de la confession, ça, on n'en parle peut-être pas assez pour Saint-Régis, parce que, enfin, il est mort, il y a un témoin qui a dit il est mort quasi en confessant. Le curé d'Ars et Jean-François Régis ont certainement un point commun, c'est que leur ministère ne s'est pas arrêté à leur mort. Ils ont, l'un et l'autre, attiré des foules, des centaines de milliers de personnes, aussi bien à Ars qu'à la Louvée. Et ces deux hommes, je pense que le curé d'Ars a dû vivre plus longtemps que Jean-François Régis, qui est mort à 43 ans. Il est mort même plus jeune que François-Xavier. Mais justement, s'il est mort jeune, c'est, je peux dire, pour prolonger son action et l'action de Dieu dans les âmes tout au long de ces siècles qui viennent de s'écouler. Et l'attrait qu'il a exercé, qui est, je pense, l'action du Saint-Esprit, est bien semblable à l'action du curé d'Ars, attirant encore aujourd'hui des foules de pèlerins à Ars. On lui doit une fière chandelle, François Régis, parce qu'on peut imaginer que c'est à cause de lui que le curé d'Ars a pu continuer sur la voie du sacerdoce. L'histoire nous dit qu'il est revenu avec une grande paix dans le cœur. Au moment d'être envoyé, donc le vicaire général, M. Combon, lui donnera une phrase que je trouve très belle. Il lui dira « Il n'y a pas beaucoup d'amour du bon Dieu, vous en mettrez ». Oui, c'est très émouvant. Il arrive à Ars en fin d'après-midi, par un mois de février, un début février, et il ne reconnaît plus son chemin, il ne voit pas en arrivant, et il ne voit pas où est le village d'Ars, et il rencontre un petit berger, encore un petit berger qui gardait ses brebis, un petit garçon qui s'appelle Antoine Givre. Et il lui demande où est le chemin d'Ars, alors ils ont du mal à se comprendre, parce que le petit Antoine parle le patois. Puis finalement, il comprend qu'ils veulent au château, il lui montre la route du château, c'est-à-dire la route d'Ars. Et le curé d'Ars lui dit, tu m'as montré le chemin d'Ars, je te montrerai le chemin du ciel. Il me semble que, quelque part, la phrase un petit peu clé de tout le ministère du curé d'Ars, ce sera ça. Qu'est-ce que fera le curé d'Ars pendant 41 ans où il sera à Ars? Ça sera de montrer le chemin du ciel, donc à ses paroissiens. Et puis aux milliers de gens qui sont venus le rencontrer à Ars. Alors, il est mort 4 jours après le curé d'Ars, c'est le premier mort d'Ars, du village d'Ars, après le Saint-Curé. Donc il lui a concrètement, Jean-Marie Vianney lui a concrètement montré le chemin du ciel. Hein, ça, c'est... Il est arrivé un soir, il a été, j'allais dire, sa venue a été préparée, non seulement matériellement, mais même dans la prière, par Mademoiselle Desgarets, la châtelaine d'Ars, du château d'Ars, une personne. Une très belle figure qui a préparé, non seulement par la prière, par l'offrande de sa vie certainement, et puis concrètement en aménageant le presbytère, la venue d'un curé qui a beaucoup prié, qui a dû beaucoup œuvrer pour qu'un prêtre vienne à Ars. Il y avait très peu d'habitants, il y avait à peine 150-200 âmes.
Il y avait effectivement beaucoup de débauches, il y avait plusieurs cabarets, les hommes là-bas faisaient la fête, n'allaient jamais à l'église. Une église non habitée, bon, habitée par Dieu, mais pas du tout entretenue comme une église aurait pu être. Et en fait, il est arrivé dans un village où tout était à faire au point de vue religieux. La seule paroissienne qui était à l'église à la messe de 7 heures était Mademoiselle d'Ars. Il venait ici la voir, certainement, il s'asseyait jamais parce qu'il ne voulait pas perdre de temps. Alors il s'appuyait sur le guéridon là-bas pour discuter. Elle lui offrait la soupe aux choux et il repartait souvent avec des pommes de terre dans sa besace. Et il gardait les pommes de terre pour les donner aux pauvres. Le curé d'Ars est un pauvre par excellence. Alors on en a conscience matériellement quand on vient voir sa maison. On en a conscience à plein de niveaux, même humainement. Il n'avait pas grand-chose pour lui, humainement, entre guillemets, dans le sens intellectuellement. Extérieurement, on pourrait croire qu'il... Mais il a tout demandé à Dieu. Il a tout demandé à Dieu et l'homme est un pauvre qui a besoin de tout demander à Dieu. Ça, il me semble que c'est une des phrases un petit peu clés pour comprendre le personnage. Et il a tellement tout demandé que le Seigneur l'a comblé. Et si après, il y a des choses extraordinaires qui se sont passées à Ars, c'était pas lui. C'était que lui avait tout donné, il a tout demandé à Dieu, le Seigneur l'a comblé quand même. Un jour, on lui demande « Quel est votre secret, monsieur le curé ?» Et il a répondu « Mon secret est bien simple, c'est de tout donner et de rien garder. » Son secret, c'est le don. Il a tout donné. Alors, matériellement, c'est sûr, mais lui-même, il a offert non seulement ses souffrances, mais sa vie, tout ce qu'il a été, il a tout donné, quoi. Cette pensée est tout à fait dans la perspective, dans la lignée de ce qui fait la vie du Saint Curé d'Ars. Je crois qu'on ne peut pas mieux le définir, dans l'abaissement. Si un homme a été configuré au Christ Jésus, c'est bien le Saint Curé d'Ars, qui s'est fait tout petit, entre les petits. Il avait conscience de sa petitesse, puisqu'au séminaire, il avait été noté avec un débarré, ce qui voulait dire débilissimus, le plus pauvre d'entre les pauvres. Il avait conscience de ses limites, même sur le plan pastoral, et pourtant, eh bien, il s'est abaissé jusqu'à se configurer au Christ Jésus sur la croix. Et c'est à partir de là qu'il est devenu ce que Dieu en a fait. La première grand-messe du nouveau prêtre à Ars, tout le village devait être là, certainement, un peu par curiosité pour voir la tête de ce nouveau curé qui venait d'arriver. Les cloches sonnaient, enfin, ça devait être un petit peu extraordinaire. Et la remarque des gens à la sortie de la messe était « Notre curé n'est pas comme les autres. On a un curé qui n'est pas comme les autres. » Mais dans un sens positif, certainement, ils ont dû être tout de suite frappés par la simplicité, l'authenticité de ce jeune prêtre qui était un paysan comme eux, et donc qui les retrouvait très bien et qui les rencontrait là où ils étaient, à la limite, qui les prenait là où ils étaient. Il allait dans les maisons, dans chaque ferme, pour visiter les gens, pour les voir autour de la table familiale et repérer tous ceux et toutes celles sur lesquels il pourrait compter pour établir sa pastorale. Comme si... Il avait besoin d'être curé avec tout le monde. Tout le monde allait être responsable de l'évangélisation de son village. Lorsque le saint est arrivé à Ars, il y a eu beaucoup d'admiration, beaucoup d'amour, une foi qui a grandi énormément, mais par ailleurs, évidemment, énormément d'attaques de la part des paroissiens, de la part de beaucoup de prêtres environnants aussi. Et donc, notamment, des coups bas, n'est-ce pas? Et l'un de ces coups bas, c'est effectivement un bruit qui a couru et qui a d'ailleurs été très, très répandu, comme quoi une jeune fille d'Ars aurait attendu un enfant du Saint-Curé. Je ne pense pas qu'on peut approcher la figure du curé d'Ars, la figure de Jean-Marie Vianney, sans voir de fait que, encore aujourd'hui, le grappin, quel que soit le nom qu'on lui donne... Hein, eh bien, quelque part, a toujours le même rôle, c'est-à-dire tout faire pour nous enlever de cette vie d'intimité avec le Seigneur, cette vie pour laquelle nous sommes faites, et là où, qui nous donnera vraiment la joie d'être enfant de Dieu, quoi. Le grappin, c'est une espèce de fourche dentée avec trois dents qui servait à arracher les pommes de terre. Et donc, en les arrachant, les pommes de terre, les enlevait du milieu naturel de leur croissance, où elles allaient se développer, elles allaient porter du fruit et grandir. Et donc le grappin, c'est un petit peu la même chose. Quelque part, c'était un moyen, une comparaison, enfin une parabole, comme a fait le Christ d'ailleurs,
Le grappin, c'est celui qui vous arrache du milieu dans lequel vous allez, pour lequel vous êtes fait, le milieu, la vie en Dieu. Quoi. Le grappin, comme il l'appelait, le démon, les forces du mal, existent, et combien. Et je pense qu'avec des êtres comme le Saint Curé d'Ars, je pense qu'effectivement, le démon devait enrager. Le saint lui-même a été surpris au départ. Il entendait taper chez lui la nuit, certainement au début, et il a cru dans un premier temps qu'il s'agissait de voyous qui lui faisaient encore quelques soucis. Et un matin où il avait tant eu de chahut, il a ouvert sa fenêtre et il a vu dans sa cour intérieure de son presbytère que la neige était tombée dans la nuit et tout était recouvert de neige, aucune trace de pas, absolument aucune trace de pas, alors que peu de temps encore en arrière, peut-être une demi-heure en arrière, il y avait un vacarme pas possible, ça tapait contre les volets, contre les portes. Donc là, il a constaté, ça a été son premier constat, comme quoi ces gros bruits n'étaient certainement pas de source humaine. Bon, c'est vrai qu'il a fait appel à des jeunes gaillards d'Ars, costauds et sans peur, pour faire le guet la nuit d'après dans son presbytère. Ces jeunes sont arrivés avec leurs fusils et puis tout ce qu'il fallait pour faire face à Dieu sait quoi. Et puis, bon, bah, dès que les bruits ont commencé, ils ont pris leurs fusils à leur cou et hop là, ils se sont sauvés très rapidement parce que c'était manifestement quelque chose de terrible. On a peut-être, au XIXe siècle, accentué cet aspect pour montrer la sainteté du Saint-Curé d'Ars. Bon, c'est vrai, mais comme l'on dit, on le souligne bien maintenant, la sainteté du Saint-Curé d'Ars ne consiste pas dans les choses extraordinaires. Hein. Elles ont eu lieu, il ne faut pas les nier. Elles ont eu lieu. Mais ce n'est pas cela qui a fait la sainteté du Saint-Curé d'Ars. Le Saint-Curé d'Ars a organisé, a acheté d'ailleurs cette maison de Providence en 1824 pour ses petites orphelines. Il y avait donc Catherine Lassagne à qui il avait confié cette maison et qui était aidée de Benoît Telardet. Et il avait formé Jeanne-Marie Chanet pour être institutrice et pouvoir enseigner ses enfants. Jeanne-Marie Chanet, qui était chargée aussi de pétrir le pain pour ses enfants, un beau jour vient trouver monsieur le curé, car elle n'avait plus de farine, qu'un petit brin de farine pour la fournée. Alors elle dit, je vais trouver monsieur Vianney. Monsieur le curé, nous n'avons plus de pain et nous avons 80 bouches à nourrir. Eh bien, mettez donc votre levain dans ce qui vous reste de farine, fermez votre pétrin et demain vous pétrirez comme à l'ordinaire. Alors Jeanne-Marie Chanet s'est exécutée. Elle a mis son levain dans le peu de farine qui lui restait, elle a fermé son pétrin. Et le lendemain matin, elle est venue, elle a commencé à pétrir avec le peu de farine qu'elle avait. Et voilà qu'elle a été vraiment surprise, étonnée, émerveillée. Sous ses doigts, la pâte montait sous ses doigts. Elle n'arrêtait pas de mettre de l'eau. Et au fur et à mesure qu'elle rajoutait l'eau, la pâte continuait de monter. Elle s'épaississait, alors que normalement elle aurait dû un peu se diluer. Elle s'épaississait, alors elle remettait de l'eau, et toujours. Tant et si bien que le pétrin que vous voyez là a été rempli jusqu'au bord de cette fameuse pâte, et elle a pu faire une dizaine, 10 à 20 pains de 14 livres. Il accomplissait des miracles. Bon, ça c'est certain. Il avait un don de guérison. S'il approchait sa main d'un enfant malade, notamment une fois un bébé qui avait une exubérance assez considérable sur la joue, il a simplement voulu caresser l'enfant. Hein. Et tout a disparu, cet angiome quoi, a disparu à l'approche de sa main. Il y en a eu d'autres, des miracles, bien sûr. Il y en a eu beaucoup dans la vie du Saint-Curé. Des miracles physiques, mais des miracles spirituels, combien en a-t-il accompli tous les jours ?
Quand on avait besoin de lui, on allait à l'église, on était sûr de le trouver. Il était là, genoux, devant le Saint-Sacrement, dans le tabernacle. Pas pour avoir le Seigneur à l'usure, pour se laisser aimer. C'est-à-dire se laisser aimer par le Seigneur, demander que le Seigneur vienne toucher ses paroissiens, ceux à qui il avait été emmené, et qu'il aimait déjà, j'allais dire, dès qu'il est arrivé, d'un profond amour. Hein. C'est lui-même qui raconte, via Catherine Lassane, que quand il est arrivé à Ars, il a baisé le sol. Il a baisé le sol, dès qu'il a vu Ars, par amour pour les gens vers qui il était envoyé. D'ailleurs, ce geste, Jean-Paul II raconte, rapporte lui-même, que c'est quand Jean-Paul II va dans les différents pays qui baisse le sol en arrivant, eh bien, il a appris ce geste, comme il dit lui-même, de Jean-Marie Vianney arrivant dans sa première paroisse. Quoi. Si vous voyez ce bel ostensoir, c'est parce que sa dévotion à l'Eucharistie était une dévotion vraiment profonde. La présence eucharistique de Jésus au milieu de nous jusqu'à la fin des temps était pour lui quelque chose d'extraordinaire. C'est pour cela que dès 4 heures du matin, et même plus tôt, il allait à son église, passer des heures devant le tabernacle, devant cette présence, puisque Jésus a dit « Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps ». Et voilà ici des merveilles que vous pouvez constater. Ce sont des ornements sacerdotaux que le Saint Curé d'Ars, dont il s'est vêtu lui-même pour célébrer l'Eucharistie dans la chapelle de la Providence, qu'il a fait bâtir plus bas, à côté de la maison de la Providence. Et alors, vous avez là les ornements suivants, la fête du jour, la chasuble rouge pour la fête des martyrs, vous avez la blanche pour les fêtes de Pâques, vous avez le noir pour les funérailles, et vous avez le violet pour le temps de pénitence, du temps de carême et aussi du temps de l'Avent. Vous avez là quelques surplis qui sont bien sûr très jaunis par le temps. Vous avez ici un autre plus grand, taché bien sûr, mais tout cela est authentique et date de notre Saint Curé. Il allait lui-même faire ses achats pour repérer la plus belle chasuble qu'il faisait au besoin dessinée par les meilleurs architectes, comme Bossan, l'architecte de cette église, qui lui a fait cette chasuble de l'Immaculée Conception exceptionnelle, un ornement bleu avec l'image de la Vierge Marie, l'Immaculée Conception. 14 ans avant la proclamation du dogme, le curé d'Ars se promène sous une soutane rapiécée. Il met tous les vêtements les plus beaux pour signifier que l'homme est tout petit, mais rien du tout. Mais que quand il est donné à Dieu, il est grand d'une grandeur incommensurable. Il dira même, le prêtre, c'est Dieu sur la terre. C'est lui qui continue l'œuvre de la rédemption. Alors, il ira jusqu'à dire, si dans la rue, vous rencontrez un ange et un prêtre, n'hésitez pas, saluez d'abord le prêtre, puis l'ange ensuite. Parce que l'ange fait le service de Dieu, tandis que le prêtre prend la place de Dieu. Il va devenir patron des curés de l'univers. L'Église va nous le donner comme patron des curés de l'univers. Il ne sera pas patron des confesseurs, il est patron des curés. Et c'est-à-dire patron des pasteurs. Le bon pasteur, c'est le Christ, quoi. Il avait installé une petite chaire dans l'Église qui lui permettait d'être plus près des gens, au début des enfants qui faisaient le catéchisme, et qui lui permettait aussi, tout en étant au milieu des gens, de voir en même temps le Saint-Sacrement, de pouvoir se tourner vers l'autel et de montrer le Saint-Sacrement. Et un dimanche, il est monté en chaire donc pour prêcher. Il s'est tourné vers le Saint-Sacrement et les larmes aux yeux. Il a dit simplement « Il est là, il est là ». Il l'a répété et puis les larmes aux yeux, il est redescendu. Un témoin raconte que c'est certainement la plus belle homélie qu'il a entendue, trois mots. Et le curé d'Ars avait une conscience, il a pris conscience d'une façon très forte de la présence de Dieu parmi nous. Et si Dieu est là, non seulement au moment de la messe, mais dans le Saint-Sacrement, tout change, quoi. Toutes nos valeurs sont bouleversées. Je veux dire, de quoi j'ai peur?
de tout bascule dans le bon sens, vous voyez, tout bascule, il est là. Je voudrais dire et redire, comme le pape l'a dit en venant ici à Ars, c'était quand même une confirmation, que le curé d'Ars est un modèle. Un modèle. C'est vrai qu'il a vécu l'époque de la Révolution, janséniste et tout, mais qu'il a été un ami de Dieu, un compagnon du Christ Jésus avec qui il envisageait toute sa vie, le moindre détail de sa vie était orienté vers cette présence qu'il désignait sans cesse. Il est là, il est là, il est là. Je vais souffrir et il partage mes larmes. Je vais me réjouir et il applaudira à cette joie. Jésus est présent à tout instant et il est présent dans la vie de tous les hommes. Et c'est un homme qui, de ce fait, a été particulièrement heureux puisqu'il aura réconcilié près d'un million de personnes par le sacrement du pardon, le sacrement de la confession. Il aura réconcilié un million d'hommes avec Dieu. Comment ne en faire un homme triste? C'est un homme qui devait partager la joie de Dieu. Il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent que pour 99 justes. S'il est un homme qui a prêché la miséricorde, c'est bien Jean-Marie Vianney. Il aimait les gens, au-delà de tous les jugements qu'on peut faire sur eux. Il les aimait, parce que Dieu les aime. Il a été vraiment le sacrement du Père. Vous savez, le Père de l'enfant prodigue, là, qui accueille tous ses petits, même quand ils viennent en haillons, tout débraillés, tout ça, tout sali par toutes les aventures possibles et imaginables qu'ils ont pu faire, il les aime, il les accueille, il les embrasse. C'est quelqu'un qui parle au nom du Seigneur, donc qui transmet aux hommes et quelque chose qui vient de la part de Dieu, quoi. Et donc, de fait, si le Seigneur a permis, entre autres dans ses confessions, que pour aider le pénitent, pour l'aider à voir clair sur sa vie, pour l'aider à se discerner quelle était la volonté du Seigneur, et bien le curé d'Ars puisse l'aider concrètement des fois. Et ça a beaucoup touché les gens, ça a beaucoup été l'œuvre de conversion parmi les pénitents d'Ars. Il a été l'homme du confessionnal. Il est resté quelquefois combien d'heures, chaque jour, pas quelquefois, mais chaque jour, 14 heures, 16 heures au confessionnal. Cette grande confiance qu'il avait en la miséricorde de Dieu, son don de lire dans les âmes, cette personne qui attendait tout en larmes pour venir près de lui. Et puis, il y avait beaucoup de monde qui attendait pour passer aux confessions. Et le Saint-Curé s'est adressé à cette personne en lui disant « Soyez consolée, chère madame. Entre le pont et l'eau, votre mari a eu le temps de se tourner du côté du Seigneur. » Parce que son mari venait de se suicider. Il y a des grands docteurs de Lyon de l'époque qui venaient vraiment en moqueur. Pour voir, parce qu'ils en entendaient parler, évidemment, il y avait déjà un certain phénomène autour du Saint-Curé. Donc, il venait à Ars pour s'asseoir au confessionnal, pour essayer de le disséquer et de le juger, et voilà, d'en faire le tour. Bon, inutile de vous dire dans quel état il ressortait du confessionnal. Retourné, complètement retourné. Certains sont même allés s'enfermer à la trappe. Moi, je me dis que personne parmi les gens, quelles que soient les difficultés traversées, qu'ils soient divorcés, remariés, qu'ils soient dans des situations inextricables, je suis présent à toutes ces situations dès lors qu'on me téléphone, dès lors qu'on vient me visiter pour me dire une détresse. Mon premier réflexe, c'est dire « Dieu vous aime infiniment ». Dieu vous aime. Dieu se met à genoux devant vous pour vous dire qu'il vous aime. Et quand on a compris cela, je pense que spontanément, on dit ben, « qu'est-ce que je peux faire ?» pour répondre à tant d'amour. Ça, il m'a donné cet héritage et je m'en réjouis vraiment.
Je vois beaucoup de personnes hésitant à venir se confesser, dire « il va me juger, qu'est-ce qu'il va me poser comme question douloureuse, difficile ?» Et la question est invariable. Est-ce que vous avez senti à quel point vous étiez aimé de Dieu ? Et personne, ah ben je suis surprise. Je ne savais pas que Dieu m'aimait à ce point. Il paraît qu'il était assez nerveux, assez, vous voyez, assez... Mais cela tient du tempérament, hein. Et chacun, je pense, a son tempérament. On le gardera toute sa vie, son tempérament. Et je pense que, au contraire, cela nous manifeste que Dieu peut accomplir des choses merveilleuses, même avec nos petitesses, avec nos limites, avec nos défauts, avec nos manques, avec... Le bon Dieu peut faire beaucoup de choses à travers cela, parce que l'action de Dieu, elle est puissante. Si on se laisse faire, si on se laisse agir, mouvoir par l'Esprit Saint, Dieu peut passer. Il reporte tous ses bienfaits sur une sainte qu'il appelle la petite sainte Philomène. C'est une sainte dont l'Église n'a pas loué l'authenticité parce qu'on n'a pas de preuves historiques, qui a dû exister dans les 3e siècle, vous savez, comme beaucoup de ces petites martyrs qui ont dû donner leur vie pour le Seigneur. Et il a une grande dévotion pour cette petite fille qu'il met en valeur à tout instant pour dire c'est elle qui a fait tous les miracles que je suis en train de faire. C'est par ses mérites, c'est par son martyr, c'est par ses prières que j'obtiens tout ce que je peux aujourd'hui récolter. C'est l'humilité du curé d'Ars qui ne veut pas s'attribuer à lui-même les mérites de son ministère qui prend une ampleur considérable, puisque imaginez qu'à Ars, il arrive avec 230 habitants, dans un village quand même voué au paganisme, si on peut dire, et qui va se retrouver à quelques mois de sa mort avec 80 000 pèlerins. Donc ce monde qui afflue de partout l'inquiète, et au point qu'il en est angoissé jusqu'à pouvoir avoir l'envie de fuir. Il n'avait plus du tout l'occasion de se consacrer à l'oraison, parce qu'il passait tout son temps entre l'Eucharistie, la confession et puis à l'aide des pauvres, et donc il n'avait plus de temps de prière. Et c'est ce qui a justifié ses tentatives de fuite d'Ars par 3 fois. Il a pris conscience de la petitesse de ce qu'il était et de la grandeur de ce qui lui était demandé. Mais quand il comprendra que la volonté du Seigneur, c'est vraiment qu'il soit là, mais il reviendra. On ne peut pas parler du curé d'Ars sans parler de l'humilité. L'humilité, il dira toujours que il prendra une comparaison toute simple. Il dira que c'est comme dans un chapelet où tous les grains sont tenus par une chaîne. Bien, toutes les vertus sont tenues par l'humilité. Si on enlève l'humilité, tout s'effondre, tout part. Il a un amour tout particulier pour Saint Jean-Baptiste, le précurseur, celui qui dira « voici l'agneau de Dieu ». Et de fait, on peut quelque part voir que toute la vie du curé d'Ars a été un petit peu comme Saint Jean-Baptiste, de montrer l'agneau de Dieu, voici l'agneau de Dieu, et puis de disparaître, comme a fait Jean-Baptiste. Il a montré le Christ, c'est lui qui a préparé sa venue, qui l'a désigné, voici l'agneau de Dieu, puis qui a disparu humblement. Bien, quelque part dans la vie du curé d'Ars, on trouve ça. C'est-à-dire qu'il ramènera en permanence les gens vers le Seigneur, puis il s'effacera bien humblement. Après sa mort, donc, on avait imaginé de l'enterrer. C'est le maire, M. Desgarets d'Ars, qui avait imaginé de l'enterrer dans l'église en demandant la permission. Il fallait demander la permission au gouvernement, je crois, à Paris, parce qu'on n'avait pas le droit d'enterrer dans les églises. La permission est venue très tardivement, c'était un non. Mais comme c'était déjà fait, on l'a laissé ici. Le temps de faire ce procès de canonisation, et quand le procès de béatification donc, se met en route, il faut exhumer les restes du saint, de celui qu'on veut proclamer saint. Alors, quand on l'a ressorti, quelle n'a pas été la surprise de voir que son corps était intact. Alors, les paroissiens n'ont pas voulu qu'on le laisse, on le remette dans cette tombe, et ils ont voulu qu'on l'expose.
c'est une présence matérielle, mais qui signifie beaucoup plus, c'est la présence d'un saint dans un village. C'est ce qui attire quantité de personnes qui me disent très souvent, dès lors que nous sommes dans ce village, nous ressentons une immense paix. Quelque chose se passe qui nous dépasse. Lui qui était un homme rigide, qui était marqué par le jansénisme, c'est-à-dire on acquiert tout par nos vertus, il a tout attendu de Dieu. Et je crois que son ministère a fait de lui un saint. Il n'est pas un saint tout figé, il s'est forgé sa sainteté à travers ses 41 ans de présence ici dans cette paroisse. Alors c'est encourageant pour tous les prêtres et pour tous les laïcs, mariés ou consacrés ou bien célibataires, peu importe, quelle que soit leur situation, la sainteté est au bout du chemin. Personne n'est exclu. Il dira lui-même, les saints n'ont pas tous bien commencé, mais ils ont bien fini.